Votre... Oh oui. Marina, je ne connais personne qui saura t'aimer autant que moi. Papalote. Écoute, je sais que ta vie a changé et que maintenant tu es riche. Et c'est vrai, je suis peut-être plus à ton niveau. Mais quand je te dis que je t'aime, je suis sincère. Je veux que tu sois ma femme. Oh, je sais. J'aurais peut-être pas les moyens de t'offrir tout le luxe que tu as ici. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais te donner de l'amour. Ça, je le sais très bien, Papalote. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Alors, ça veut dire que c'est oui? Tu acceptes de devenir ma femme? Marina, je pense qu'il est grand temps d'y aller. Tu es vivant? Comme tu vois, Adriana, je suis plus vivant que jamais. Mais Guillermo et Ricardo m'ont dit que tu étais tombé à l'eau et que ton corps n'était jamais réapparu. Je sais, ils croient tous que je me suis noyé, ce qui est une très bonne chose. Parce que je n'avais pas du tout envie de finir en prison pour avoir kidnappé une nana sur sa coquille de noix. Il fallait que je regarde ma mort en face pour pouvoir vivre. Ah, tu es un monstre! Un monstre! Oui, un monstre que tu adores. Un monstre qui te rend dingue, hein, ma beauté. Ah oui, je n'arrêtais pas de penser à tes baisers qui me rendaient folle. Dans mes rêves, il y avait un homme masqué qui voulait m'enlever, et cet homme... Oui, c'était ton Julio. Et tu sais pourquoi, Adriana? Pourquoi? Parce que je suis le seul homme avec lequel tu te sentes vraiment femme. Véronica ne viendra pas. Elle m'a laissé tomber. Vous pouvez partir. Foutez le camp! Allez, rentrez chez vous! Vous n'avez plus rien à faire ici! Vous pourrez dire à tout le monde que Véronica Saldivar a planté devant l'hôtel Federico Santibáñez! Toi aussi, allez dehors! Au fait, ça fait bientôt 2 semaines que nous n'avons aucune nouvelle de Véronica. Oui, tu as raison, Lucia. Ce serait bien qu'on l'appelle Orange ce soir. Je serais ravie de parler à l'oncle Joaquin. C'est fou ce qu'il me manque. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir l'embrasser. Me pendre à son cou. L'oncle Joaquin a été vraiment un père pour nous quand nos parents sont morts dans ce terrible accident. Oui. Tous ces souvenirs qui vous rendent si triste, il vaut mieux éviter d'en parler s'ils vous font autant souffrir. Tu as raison. Je vais répondre. Oui, allô? Bonjour, Laura. Véronica? Quelle coïncidence, justement, on parlait de toi. Je t'appelle d'un hôtel du Capitole. On s'apprête à partir pour l'aéroport. Merci, c'est gentil. C'est pas vrai. Ne me dis pas que vous venez nous rendre visite avec l'oncle Joaquin. Non, rien de tout ça. Oncle Joaquin et moi allons à Paris. Nous détendre un peu. Dans l'appartement que nous avons là-bas. Et le ranch? Oh, je l'ai laissé à des gens dignes de confiance. Je suis ravie que vous preniez... Des vacances, vous le méritez vraiment, tous les deux. Et toi, comment ça va avec ton mari? Ah, c'est le paradis. Il est fabuleux. Daniel est le plus attentionné des hommes. Ah, d'ailleurs, qui sait, à Paris, tu auras peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un... Comme lui, et de dire adieu à ta vie de célibataire. Ah, Laura, si tu savais. Aujourd'hui, j'ai bien failli lui dire adieu à ma vie de célibataire. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Rien qui mérite d'être évoqué. Bon, écoute, je t'appelle une fois arrivée à Paris, pour voir si tout va bien. Bon, d'accord, surtout amuse-toi bien. Ah, Daniel et Lucia t'embrassent très fort. Oui, bon voyage, au revoir. Véronica et Joaquin qui partent en voyage, c'est une première? Je sais, j'avoue que moi aussi, je trouve ça très étonnant, d'autant que Véronica ne laisse jamais le ranch tout seul. Mais bon, je pense que ça leur fera un bien fou, ils l'ont bien mérité. Je me réjouis pour eux, vraiment, je suis très contente. Bon, il faut y aller, sinon on sera en retard. Oui, je suis prête, je te suis. Marina? Papalote, il faut que j'y aille. On discutera de tout ça plus tard. D'accord.
Si tu veux, je te laisse décider. Au revoir, Monsieur Larson. Qui est-ce? Un ami à toi? Oui, un voisin. On a grandi ensemble. Et c'est ton genre? Je veux dire, c'est ton genre d'homme? Pourquoi tu me poses cette question? Bon, allons-y. Rosalba n'est rien pour moi, rien! Pourquoi ce masque, hein? Parce que je veux que personne ne sache que je suis vivant. Ni Ricardo, ni la police, ni son oncle Guillermo. Je ne tiens pas à aller en prison. Alors c'était toi? En fin de compte, tout ce que cette fille a raconté était vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle avait été sauvagement agressée par un homme au visage masqué, que ce même monstre avait ensuite essayé de la noyer dans la baignoire. Un truc de dingue. Personne ne l'a cru. Comment ai-je pu être assez stupide pour ne pas réussir à deviner que celui qui m'avait enlevé pour m'amener ici n'était autre que l'homme masqué de Marina? Dommage que je n'ai pas pu lui régler son compte à cette fille. J'ai bien essayé dans le théâtre, mais elle a réussi à me filer entre les doigts. Oh, et j'ai tenté de la noyer, mais elle s'en est encore sortie. Tu crois qu'elle est comme les chats, qu'elle peut vivre plusieurs fois? Ne t'inquiète pas, elle aura ce qu'elle mérite. Je te le promets. Je ne la supporte plus. À cause d'elle, mon anniversaire a été un fiasco. Elle m'a fait une telle scène devant tous les invités qu'au bout du compte, on s'est retrouvés toutes les deux, toutes habillées, en train de se battre dans la piscine. Ce devait être un beau spectacle. Mon Adriana, toute griffe dehors. Cette fille, il va falloir que tu l'élimines, Julio. Tu sais pourquoi? Parce que toute ta vie, tu ne seras qu'un pauvre hors-la-loi en cavale à cause d'elle. Tu seras toujours obligé de te cacher. Débarrasse-toi d'elle, Julio, s'il te plaît. Raye-la de la carte. Je ne veux pas qu'elle se mette en travers de notre route. La tuer maintenant, ce serait lui faire un cadeau, non? Avant ça, tu vois, je préférerais qu'elle souffre beaucoup. Mais alors, beaucoup. Tu penses à quoi? La rendre dingue. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais bien trouver quelque chose d'horrible qui va la rendre dingue. Pour qu'elle finisse à l'asile avec les fous. C'est ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Eh bien, si tu te montres très gentille, je pense que ton rêve se réalisera. Ah oui? Oui. C'est pour ça que je t'aime, parce que tu es horrible, sans aucun scrupule et sans aucune morale. Tu es comme moi, Julio. Tu es comme moi. Tiens, Laura, voilà ton fax. Merci, Marina, tu as fait vite. Ça va bien m'aider. Donc je ne te fais pas perdre trop de temps? Bien sûr que non. S'il te plaît, Marina, peux-tu la classer dans le dossier de... Qu'est-ce qui se passe? Je te sens ailleurs. Je suis désolée. Papalote est venu me voir à la villa. En quoi c'est étrange qu'il soit venu te voir à la villa? Il est amoureux de toi, non? Seulement là, il m'a carrément demandé de l'épouser. Oh, et alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu te doutes bien que j'allais lui répondre non.
Pour moi, c'est juste un très bon copain. Mais juste à ce moment-là, j'ai vu entrer Ricardo. Il avait l'air tellement contrarié et en colère qu'il m'a fait presque peur. Et du coup, j'ai pas su quoi lui dire. Mais ce que je peux t'affirmer, c'est que Ricardo était furieux de voir papa loter avec moi. Furieux ? Ou jaloux ? Jaloux, c'est ça. J'en suis sûre. Il était jaloux. Combien de fois faudra-t-il que je te répète que Ricardo n'est pas libre ? Mets-toi ça dans la tête. Je sais. Tu crois que c'est facile ? Comment veux-tu que j'arrête de penser à lui ? On vit dans la même maison. Et en plus, on travaille au même endroit. En tout cas, je peux t'assurer qu'il était furieux de voir papa loter avec moi à la maison. Mais enfin, Marina, Ricardo est marié. Il doit comprendre qu'il n'a rien à attendre de toi, que tu as bien le droit... Tu as bien le droit d'avoir un petit ami et de t'amuser. Mais je ne veux pas de petit ami. Bien sûr. Parce que tu t'es accrochée à Ricardo, Marina. Parce que j'aime Ricardo et que je ne cesserai jamais de l'aimer. Ça veut dire que c'est oui ? Oui. Tu acceptes de devenir ma femme ? Marina, je crois qu'il est grand temps d'y aller. Bon sang, je suis jaloux. C'est une évidence. Je suis jaloux. Madame Alberta n'a pas arrêté de demander après toi, ma chérie. Je m'en moque. Non, non. Il ne faut pas que tu oublies que tu es une femme mariée. Une femme mariée, mais sans mari. Aïe, laisse. Ce n'est pas une bonne chose de fréquenter d'autres hommes en cachette. Bon, écoute-moi bien. S'il me prend l'envie de fréquenter d'autres hommes dans le dos de mon mari, dis-toi que c'est mon problème et non le tien. Mm-hmm. Federico ? C'est quoi cette valise ? J'ai décidé de rejoindre mes parents, en espérant qu'ils voudront bien me pardonner. Non, Rosalba. Reste, je t'en prie, ne pars pas. Mais c'est pourtant toi qui m'as dit de ne pas... Non ! Oublie tout ce que je t'ai dit. Je t'en prie, ne pars pas. Écoute... Écoute, Rosalba. Écoute... Je sais que j'ai été ignoble avec toi, que je me suis mal conduit, que je t'ai fait souffrir, mais tout ce que je te demande, c'est de rester avec moi. Je te jure que je vais changer, je te le promets. Tout ce que je te demande, c'est de rester avec moi, je t'en prie. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, reste. Reviens, mon chéri, viens. Attention, fais attention. Assieds-toi, là, voilà. Pourquoi es-tu habillé comme ça, Federico ? Et pourquoi est-ce que tu as bu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne me demande pas ça, je t'en prie. Ne me pose pas de questions. Tout est fichu. Là, c'est sûr, tout est terminé. La seule chose que je veux, c'est rester avec toi, ma chérie. Tu veux bien ? Oui. Viens, viens sur mes genoux. Pose ta tête. Là, oui, détends-toi et surtout ne pense à rien. Là... Tout ce que je veux, tout ce qui me reste à faire, c'est disparaître. Oh non, ne dis pas ça, non. Ne parle pas de mourir, je ne veux pas que tu me quittes. Je dérivais avec une seule pagaie, désespérant qu'on vienne enfin me secourir. Parfait. Détends tes bras. Comme ça, très bien. Moins crispé le visage et plus relax les épaules. Maintenant, tu regardes devant toi et tu marches, voilà. Mouvement de bras très gracieux. Et tu croises les jambes. Visage détendu et toujours souriante. Waouh ! Magnifique ! Tu es époustouflante ! Oh ! Mais arrête de frapper ! Marina, pardon. C'est idiot ! Allez, recommence en prenant bien ton temps. Le premier qui le laisse tomber a perdu. Allez, Marina. Tiens.
raté. Ah, allez, va le chercher. Wow. Il va falloir que j'y aille. Mon insupportable belle-mère me surveille de près. Elle vérifie à quelle heure je pars de la maison et à quelle heure je rentre. Je ne veux pas qu'elle me soupçonne de tromper mon mari avec un autre homme. Et encore moins avec toi. Non, attends, ne pars pas encore. Tiens, regarde ça. Tu te souviens? Mais tu ne devais pas le vendre? C'est ce que j'allais faire le jour où j'ai sauté à la mer. Mais c'est une bonne chose que je l'ai toujours en ma possession, tu vois, car il va nous être très utile. Là, j'avoue que je ne te suis pas. Nous voulons tous les deux nous venger de Marina. Oui? Tu en es sûr? Quelle question? Et tu veux vraiment qu'elle meure? Évidemment. Toi, tu veux qu'elle meure et moi qu'elle souffre. Qu'elle souffre avant de mourir, au point de devenir dingue. Et qu'elle finisse sa vie dans un asile de fous. Ce serait une bonne punition, non? Une punition idéale pour cette sale petite garce. J'ai sacrément besoin d'argent. Mais je sais pourquoi et comment je vais sacrifier ce collier. Tu vas le cacher dans la chambre de la batelière. Et avec l'aide de ta fidèle servante, la chère Lazara, on va tout faire exploser. Exploser quoi? Lazara découvrira tout simplement le collier en rangeant les vêtements de Marina. Et tous ceux qui la croyaient innocente et surtout incapable de commettre un tel vol ne pourront qu'être persuadés du contraire. Ton plan est épatant. Je ne crois pas que Guillermo virera sa nièce de chez lui. Mais Ricardo la verra sous un tout autre jour. Oui, c'est ça que je veux, Julio. Que Ricardo en soit dégoûté. Je vais être à court d'argent. Maintenant, tu vas devoir régler la chambre d'hôtel. Je crois que j'ai une idée encore bien meilleure. Hein? Tu vas carrément venir t'installer chez les Larson. On sera dans la même maison. Un voisin, un ami d'enfance, moi je veux bien. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il a à être toujours là? Et en plus, elle a l'air contente de le voir. Ce papaloté, je suis sûr qu'elle le considère comme un frère. On voit bien que tu te rends pas compte. Il vient la voir tous les jours ou presque. Et si jamais il peut pas entrer parce que ma mère l'a fichu dehors, il débarque sur son lieu de travail. Et comme si ça suffisait pas, il l'emmène se balader sur le port pour déguster une petite glace. Ce sont juste de bons copains, Ricardo. Ne cherche donc pas la petite bête là où elle n'est pas. Mathilde, ce que je sais, c'est que ce type-là, ce papaloté, il est amoureux de Marina et il est pas prêt de la lâcher. Ok, ok, c'est vrai. Je reconnais qu'il a l'air amoureux d'elle, seulement elle, elle n'a Dieu que pour toi. Comment tu peux en être si sûr? C'est faux. Ça fait bientôt un mois que Marina et moi, on n'a pas eu l'occasion d'avoir la moindre discussion. Au contraire, elle m'évite, on dirait qu'elle fait tout pour ne pas avoir à me parler. Il est clair qu'elle s'efforce de rester à sa place. Même si elle est amoureuse de toi, elle n'est pas sans ignorer que tu es mariée avec Adriana. Elle n'a pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. C'est quelqu'un de bien, qui respecte ton statut d'homme marié, Ricardo, c'est tout. Ouais. Mais enfin, vous n'y comprenez rien. Marina a cessé de m'aimer. Et... elle est amoureuse de ce papaloté. Il n'y a pas de quoi rire. J'avoue que j'aimerais bien savoir comment tu envisages de me faire venir dans la villa. C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. Non, 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 non. Elle n'est pas folle du tout. Je t'explique. Il y a une pièce dans la maison. En fait, c'est plutôt notre sous-sol. On y entasse les choses que personne n'utilise. C'est un tel capharnaüm que jamais personne n'y descend. Je peux te la faire préparer. Pour te cacher, il n'y a pas mieux, notamment pour échapper à la police. Alors là, j'apprécie ton idée. Surtout, n'oublie pas ton masque, parce qu'il va nous être très utile. Pour aller tourmenter la batelière pendant la nuit? Exactement. Quand tout sera silencieux et tranquille dans la maison, quand tout le monde sera en train de dormir, tu sortiras de ta cachette et tu iras dans la chambre de Marina pour l'effrayer. Au moment où elle se mettra à hurler, tu devras retourner te cacher le plus vite possible. Tu ne dois être vu de personne. Et là, il y aura une scène de tous les diables. Marina sera là à hurler en disant qu'un homme masqué a tenté de l'attaquer.
Et c'est alors que j'arriverai en 10 ans que Marina doit avoir perdu la tête. Petit à petit, tout le monde finira par la croire folle. Et son oncle, inquiet pour l'équilibre et la santé mentale de sa nièce, la fera interner dans un hôpital psychiatrique. Oh, j'adore. Tu es aussi pervers que moi, Julio. Ah oui? Et c'est ça qui me rend dingue. Merci. J'emménage quand? Qu'est-ce que tu dirais de venir ce soir? Parfait. J'ai un énorme service à vous demander à toutes les deux. Oh, mais bien sûr, ma chérie, je ferai tout ce que tu voudras. Vous aurez droit à une belle somme d'argent. Oh non, je ne veux pas d'argent. Ton affection me suffit bien assez. Moi, gagner un peu d'argent, ça m'arrangerait parce que j'ai des dettes, les pneus, la oui, voiture... Oui, bon, ça va, Gertrudis, tes problèmes ne m'intéressent pas. Vous serez payé. Un point, c'est tout. Hein? Ça vous dit quelque chose? C'est le collier qu'a perdu Alberta il y a 3 mois. Vous lui avez volé? Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu as parfaitement raison, c'est moi qui l'ai volé. Je te le confie, Lazara, parce que c'est toi qui vas aller le mettre dans les affaires de Marina. Tu feras semblant de le découvrir en rangeant sa chambre et tu iras le dire à Alberta. Ce que je veux, c'est que tout le monde croit que c'est réellement elle qui l'a volé et qu'elle le cachait depuis tout ce temps. J'ai compris. Je ferai tout ce que tu m'as dit de faire. Et alors, et ma participation à moi, c'est quoi? Moi, je joue aucun rôle dans le coup? J'y viens. Ta mission sera de nourrir un mort. Seigneur Jésus, Marie-Joseph, ça veut dire quoi, ça? Nourrir un homme mort? Non. En vérité, il n'est pas mort du tout. Il est même très vivant. Julio est un peu plus vivant. Mais personne ne doit le savoir. Comment c'est possible, ça? Il paraît qu'on n'a pas retrouvé son corps après qu'il soit tombé du pont, c'est donc qu'il était mort. Ça, c'est ce que tout le monde a cru. Mais il n'est ni noyé, ni mort, ni quoi que ce soit d'autre. Il est un peu plus vivant, et ce soir, j'ai prévu de l'installer au sous-sol, un endroit où personne n'ira le chercher. Julio va m'aider à faire perdre la tête à cette garce. Et c'est toi qui lui apporteras à manger. Ah, c'est bien ce que je me disais, je suis loin d'être idiote. Donc en réalité... L'homme masqué, c'est Julio, qui est venu attaquer la batelière 2 fois de suite. Ah, je confirme, tu es tout sauf idiote. Julio est l'homme masqué dont elle a peur. Ricardo. Marina. Je n'ai jamais été embrassée comme ça. Je t'aime. Je t'aime. Ricardo. Il faut que j'oublie tous tes baisers. Il faut absolument que je t'oublie. Voilà, c'est ici. Alors? Tu parles d'une pagaille? Oh, Julio, arrête de te plaindre. C'est quand même beaucoup mieux qu'une horrible cellule de prison. Toujours aussi pragmatique, Adriana. Bienvenue dans la maison Alarcón Morales. Bonjour, Madame Alberta. Le petit déjeuner est servi. Merci, Pastora. Madame, pourriez-vous venir avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre mon petit déjeuner. C'est important. J'espère que pour toi, ça l'est important. Ce serait bien qu'on renvoie les contrats pour s'assurer que tout est correct. Mais ils ont déjà été signés, non?
Si, c'est Ricardo qui s'occupe de ça. Eh, tout va bien, c'est bon. Pastora et ma belle-sœur. Elle allait venir, monsieur, mais elle a été retenue par Lazara, qui a voulu lui montrer quelque chose. Bien, puisqu'elle prend son temps, je vous propose de commencer. Vous pouvez servir, Pastora. Oui, tout de suite, monsieur. Pourquoi as-tu insisté pour que je vienne dans cette chambre? Je l'ai en horreur et je trouve qu'elle empeste. C'est une horreur. Je vous explique. Quand je suis venue et que j'ai déposé les vêtements qui revenaient de chez le teinturier dans la penderie, en faisant de la place, c'est là que j'ai découvert quelque chose. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que c'était, alors? J'avoue que j'aurais jamais cru trouver ça là. Mais je préférerais que vous le voyiez de vos propres yeux. Oh, s'il vous plaît, regardez dans ce tiroir. Celui-là? Oui. Oh, mon collier! Mais bien sûr, je le savais que c'était un coup de la gondolière. Ah, je me doutais bien que c'était elle, la voleuse. Je le savais bien. Allez, viens avec moi, Lazara. Je vais enfin régler mes comptes. Sale voleuse! Je tiens à ce que vous sachiez que Marina est vraiment une élève remarquable. Elle progresse avec une étonnante rapidité. Oui, et je peux vous assurer que dans très peu de temps, elle sera parfaitement à l'aise dans la haute société. Félicitations, Marina. Oh, merci, Elias. D'ailleurs, après le petit déjeuner, Marina, tu auras une autre leçon avant que nous allions à la compagnie maritime. Hein? Ok? Voleuse! Tout ce que tu es, c'est une voleuse. Pourquoi est-ce que vous me traitez de voleuse, Alberta? Comment ça, pourquoi? Regarde, j'ai trouvé mon collier au milieu de tes vêtements où tu l'avais caché, voleuse! Maman, est-ce que tu es sûre de ce que tu avances? Mon fils, comment peux-tu douter de moi? Et croire en la parole de cette sale voleuse de collier? Mais je ne... Moi qui étais comme ta mère! Mais je ne suis au courant de rien! Il était caché dans les affaires de Marina, c'est là que je l'ai trouvé. Alors j'ai prévenu Madame Alberta. C'est faux, je le jure! Je n'ai jamais touché à cette chose! C'est exactement ce que tu nous as sorti il y a 3 mois, à l'époque où tu me l'as volé! À ce moment-là, je n'avais rien qui me permette de le prouver. Mais maintenant, ça y est, je l'ai retrouvé. Et comme par hasard dans tes affaires. As-tu quelque chose à ajouter? Ah, eh bien, Marina, la batelière. Tiens, dis-moi une chose, Laura. Dans ces fameux cours, aurais-tu donc omis de lui enseigner que les gens éduqués ne volent pas? Je n'ai absolument rien volé. Personne ne te croira. Marina est incapable de faire une chose pareille, Adriana. C'est vraiment quelqu'un de très honnête. Toi, on ne t'a pas demandé d'ajouter ton grain de sel. Il s'agit d'une affaire de famille et ça ne te regarde en rien. Et en plus, tu n'es qu'une invitée qui n'est pas de notre milieu. Et je vous ferai remarquer que ce collier a comme par hasard disparu juste au moment où Marina est arrivée dans cette maison il y a 3 mois. Adriana. Si Marina dit qu'elle n'a rien volé, c'est qu'elle n'a rien volé. Alors, au lieu de me croire, tu préfères croire cette gondolière, hein, c'est ça? Te rends-tu compte que tu m'insultes en faisant ça, Guillermo? Je ne suis pas une menteuse, moi! Maman, calme-toi! Je n'ai pas l'intention de me calmer! Il est inadmissible que vous fassiez confiance à cette moins que rien! Je vous jure que j'ai rien volé, madame! Je ne sais même pas comment ça a pu se retrouver dans mes affaires! De toute évidence, parce que c'est toi qui l'as volé! Parce que tu n'es qu'une sale intrigante, une arnaqueuse et une casse! Non, c'est pas vrai! Arrêtez du calme! Monsieur Guillermo, je vous jure sur la mémoire de ma pauvre mère que je n'ai rien volé. Marina, si... Mais... Si tout le monde refuse de me croire, je ferais mieux de quitter immédiatement cette maison. Non, Marina! Attends, mais où est-ce que... Toi, tais-toi! Marina. Je n'ai pas volé ce collier, Ricardo, je te le jure. Mais je le sais. Mais je te crois, je crois tout ce que tu me dis. Toi, oui, mais tu es le seul. Je ne peux pas rester ici. Non, ne t'occupe pas de ce que disent ou pensent les autres. Je veux que tu restes dans cette maison. Et mon oncle refusera que tu partes. Après ce qui vient de se passer, je n'ai plus ma place ici. Marina, il n'est pas question que tu quittes cette maison. C'est quand même un comble que Guillermo préfère faire confiance à cette petite garce plutôt qu'à moi. Et tout ça parce qu'il la considère comme sa nièce. Maman, j'ignore comment ce collier s'est retrouvé dans la chambre de Marina, mais je ne crois pas que ce soit elle qui l'ait volé. Ma parole, mais vous devenez tous aveugles quand il s'agit de cette pouilleuse. Quand elle est arrivée ici, c'était une sauvage et une mal élevée.
C'est une chance qu'elle ait appris à être un peu plus raffinée. Mais c'est toujours une sauvage. Tu l'as provoquée, Adriana. Là, tu dépasses vraiment les bornes. Tu n'as pas la parole. Et sache que je t'interdis de t'immiscer dans nos affaires de famille. Tu ne fais pas partie de ma famille. Et je te prierai d'aller attendre dans la bibliothèque. Vous permettez. Phil! Lazara, es-tu bien sûr d'avoir trouvé ce collier dans la chambre de Marina? Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde. Je dois partir, Monsieur Guillermo. Après ce qui vient de se passer, je ne peux pas rester dans cet endroit. Bien sûr que tu peux rester. Cette maison m'appartient et c'est moi qui te demande de rester. Je sais que vous avez confiance en moi. Mais Alberta me déteste. Et maintenant qu'elle croit que c'est moi qui ai volé son collier, ça va être encore pire. Je vous jure que je ne l'ai pas volé. Quelqu'un a dû le mettre dans mes affaires. Marina, écoute-moi. Ne t'occupe pas de ce que ma mère peut dire. Ricardo, tu n'arriveras pas à me convaincre. Il faut que je m'en aille. Écoute-moi bien. Et si je te disais que cette maison t'appartient à toi aussi, Marina? Resterais-tu si je te disais que tu as tous les droits parce que tu es ma nièce? Qu'est-ce que vous venez de dire? Tu as bien entendu. Tu es ma nièce. Ma véritable nièce. Bonjour, Monsieur Julio. Je suis contente de vous voir vivant. Oui, j'espère que tu sauras tenir ta langue. Vous pouvez avoir confiance en moi. Regardez, je vous ai apporté un bon petit déjeuner. Oh non, 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 non. C'est pas la peine d'enfiler votre chemise. Ah bon, et pourquoi? Bah, parce qu'ici, malheureusement, il n'y a pas l'air conditionné. Et que je trouve aussi qu'il fait vraiment très chaud. Ça marche. Je suis là pour accomplir vos moindres désirs. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Ben, c'est très bien. Et je crois que je m'en souviendrai. Vous êtes mon oncle? Oui, Marina. Je suis ton oncle. Le frère de ton père. Mais... et je ne comprends pas... Marina, il faut absolument que tu écoutes ce que va te dire oncle Guillermo. Écoute-le bien. Viens, viens t'asseoir. Marina... quand ta maman a commencé à travailler chez nous, je suis tombé amoureux d'elle. Nous étions très jeunes, elle et moi. Mes parents se sont totalement opposés à mon désir de l'épouser à cause de cette stupide différence de classe sociale. Et puis... ta maman n'avait jamais fait attention à moi car elle était amoureuse de mon frère. Ma mère a travaillé ici? Oui. Oui, mais mon frère en a profité... en n'y voyant qu'une aventure sans lendemain, parce que... parce qu'il était fou amoureux d'Alberta. Alberta était jeune, veuve, et avait un petit garçon. C'est Ricardo. Mon frère a fait de fausses promesses à ta maman. Il l'a séduite. Il l'a trahi? Oui, Marina. Ta maman est tombée enceinte et pour éviter le scandale, mon frère s'est empressé d'épouser Alberta. Il a adopté Ricardo, qui est donc devenu son fils, et ils sont partis en voyage. Mes parents ont mis Rosa à la porte et... je ne l'ai plus jamais revue. Mais j'ai continué de l'aimer. Oh, Monsieur Guillermo. Mon frère a eu un fils avec Alberta. Elias. Et Rosa, t'as eu, toi? Elias est mon demi-frère? Oui. Alors, où en es-tu? Guillermo s'est-il enfin décidé à virer sa gondolière de nièce? Non, maman. Bien au contraire. À partir de maintenant... elle aura plus de droits qu'elle n'en a jamais eu dans cette maison. Et pourquoi? Parce que oncle Guillermo est en train de lui révéler qu'elle est sa nièce.
Quand Rosa t'a donné naissance, la mère Pilar est venue voir mes parents pour leur demander de prendre soin de toi et de ta maman. Mais ils ont refusé que tu deviennes une Alarson. Et pourquoi? C'était pas moi la coupable. Bien sûr que non. Mais mon frère a catégoriquement refusé de te reconnaître. Pour lui, rien d'autre ne comptait en dehors d'Elias et de Ricardo qu'il aimait comme son fils. Alors c'est moi qui me suis occupé de toi. C'est vous? Oui. Je suis allé voir la mère Pilar et tous les mois j'ai envoyé un chèque pour Rosa. Et tous les mois j'ai continué ainsi jusqu'à ce qu'elle meure. Merci, monsieur Guillermo. Vous avez été tellement généreux. Alors mon père ne m'a jamais aimée et n'a jamais pris soin de moi. Non, Marina. Mes parents sont morts quelques mois plus tard et mon frère les a suivis un an après. Pourquoi je vous ai jamais rencontré alors? Marina, la seule femme que j'ai jamais aimée dans ma vie, c'est Rosa. Et malgré la séparation et les années, je n'ai jamais cessé de penser à elle. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais mariée. Marina, je ne suis pas allée te voir pour ne pas la voir, elle. Je me suis toujours occupée de toi sans me montrer. Mais avant de mourir, Rosa m'a supplié de veiller sur toi. Ah oui, pour ça, j'étais au courant. Marina. Marina, cette maison t'appartient autant qu'à moi. Et c'est pourquoi je ne veux pas que tu la quittes. Tu es la fille de mon frère. Il est grand temps que tu profites enfin de ce que tu n'as jamais eu. Ce n'est que justice. Merci, monsieur Guillermo. Et si tu te mettais enfin à m'appeler oncle Guillermo? Oui. D'accord. Oncle. Oncle Guillermo. À quoi ça rime? C'est ridicule de révéler la vérité à cette fille justement maintenant! Vraiment, c'est absurde. Il n'avait pas à le faire, ça n'a aucun sens. Non, maman. Il me paraît beaucoup plus juste, bien au contraire, que Marina sache enfin la vérité. Ah, rien d'étonnant, puisque monsieur est tombé amoureux de cette analphabète. Oh non, non! Ce serait vraiment un comble que tu répètes la même erreur que ton pauvre père. En tout cas, lui, il n'était pas tombé amoureux de Rosa. Mais il l'a quand même couché avec elle. Et nous en connaissons les conséquences. Cette bâtarde! Je tiens à ce que vous sachiez tous que dorénavant, Marina n'est plus une bâtarde. Ce sera une Alarson. Un nom qu'elle a bien mérité. Dis-moi, Guillermo, crois-tu qu'il soit convenable de donner le nom d'Alarson à cette gondolière? Que tu le veuilles ou non, c'est une Alarson. C'est le nom que je viens de lui donner. Et je vous interdis de la traiter de batelière. Quiconque s'y risquera quittera cette maison. Et maintenant que Marina est une Alarson, comment faut-il l'appeler? Princesse? Non, tu peux l'appeler Marina. Et maintenant que ta petite nièce adorée sait qui elle est, on oublie toute l'histoire du vol de mon collier? Maman, s'il te plaît, arrête ça. Madame Alberta, je jure sur Dieu que je n'ai pas volé votre collier. Et de grâce, arrêtez de me haïr, je ne suis pas votre ennemie. Je vous demande juste de m'accepter, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'autre chose, monsieur Julio? Tout ce que vous voudrez. Sors d'ici, Gertrudis. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es sourde? Voilà, madame Adriana, monsieur a fini, je remonte. Et attention, que personne ne voit ce plateau, tu as compris? Bien sûr. Alors comment ça va là-haut? T'as des nouvelles? Mal, une vraie catastrophe. Ta brillante idée de cacher le collier dans les affaires de Marina, la petite princesse,
s'est tout simplement retourné contre nous. Désormais, ma nièce a plus de droits que quiconque dans cette maison. J'espère que j'ai été clair. Je veux que ces ordres soient exécutés au pied de la lettre. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Pardon, mon oncle. Bien sûr que c'est nécessaire. Tu es la maîtresse de cette maison. Aïe. Lazara. Viens avec moi à la bibliothèque. Bien, monsieur. Entre. Laura, peux-tu nous laisser une minute? Oui, bien sûr, Kiyomi. Merci. Je vous attends à côté. Alors? Lazara, qui t'a demandé de cacher le collier dans les affaires de Marina? Oh non, non, personne, monsieur. Je l'ai trouvé dans les affaires de Ne Marina. Me mens pas. Ne me mens pas. Parce que... Entre, entre. Cette conversation devrait t'intéresser. Alors, Lazara, qui t'a demandé de cacher le collier dans les affaires de Marina, ne me mens pas. Non. Ne me mens pas, parce que si je découvre la vérité, je te renverrai et tu devras quitter cette maison définitivement. Madame, s'il vous plaît, Adriana, je t'en prie, sauve-moi. Je tiens à rester ici et je ne veux pas être séparée de toi. Aide-moi, sauve cette nourrice qui t'a toujours aimée comme une mère.